On finit à quelle heure? 17h, hein, c'est ça? C'est vrai que j'avais aussi des questions au niveau des ministères, tout ce qui s'en suit. Et il y a une sœur qui nous a parlé, je connais très cette histoire dans Plein Roi, la fille de Jézabel qui est une reine, voilà, et qui a essayé de tuer tous les futurs rois. Et il y a une femme qui a réussi à récupérer un enfant et qui l'a caché dans le temple. Et cette femme a dit à personne. Elle a caché cet enfant dans les temples, elle avait une nounou, cet enfant, et tous les jours, elle s'occupait de cet enfant, mais elle s'occupait aussi de sa famille, pour que personne ne voit. Et cet enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, a été élevé. Et c'est comme ça que les rois ont pu continuer en Israël. Et j'ai vraiment compris que le ministère, c'est même pas le ministère, que ce qu'elle disait aussi, la sœur, que Dieu donne des dons aux femmes, et il ne retire pas, comme les ministères. Mais on doit être équilibré avec notre vie de famille et le service du Seigneur. Alors oui, les femmes peuvent avoir la prophétie, les femmes sont là pour servir l'Église, l'Église avec un grand E, mais aussi avant tout, servir sa famille. Et il faut savoir, et c'est pas évident,